Reprends ton souffle. La prochaine, c'est la bonne. Tu donnes tout cette fois. Tu penses encore trop. Victoria est entre ses jambes. La position quasiment assise lui convient. Femme puissante. Adriane s'est assise derrière elle. Elle peut totalement s'appuyer contre lui. Comme s'ils accouchaient ensemble. Enfin, elle ne sait pas ce qu'il ressent. Quand la contraction vient, il n'y a plus d'espace à laisser à quoi que ce soit d'autre. Ça va revenir maintenant. Adriane écoute les mots de Victoria, suspendu à la moindre de ses demandes. Il anticipe les contractions de sa compagne, observe qu'elle n'entend qu'un mot sur deux. Il répète alors les mots de la sage-femme pour être les trois synchrones et complémentaires. Ils ont confiance, c'est pour la prochaine contraction. Ils vont devoir tout donner et le voir enfin, ce fils qu'il attend, qu'il connaît si bien. Ils ont déjà tous les deux tellement échangé. D'accord, répond Elisa. Elle est prête pour cette fille qui arrive. C'est maintenant. Un cri profond qu'elle voit, un éclair qu'elle entend, son corps traversé de part en part. Odeur du sang, à moins que ce ne soit le goût de sa salive. Elle sent la déchirure. Ne sait plus ce qu'elle sent. Elle plonge. Un rideau de théâtre s'ouvre chaotiquement sur un décor obscur, noir. Elle n'entend plus rien. Voix étouffée. Ou d'ailleurs, une voix qui se dessine, une vague monstrueuse qui apparaît. Son corps est pris d'une secousse. Non ! C'est toute la terre de Mexico qui est secouée. Temblor ! Le visage d'Adriane s'est illuminé comme elle ne l'a jamais vu. Reprendre son souffle. Une nouvelle vague va-t-elle revenir? Une prière déchire l'espace de son esprit qui vacille. Dans ce corps coulent les rivières sacrées de mon âme. Ici se rejoignent le Père Ciel et la Terre-Mère. Jamais, jamais. Tu ne trouveras de temple plus précieux que ton propre corps pour goûter le mouvement de l'amour.